Le Sénégal a célébré ce mercredi 4 avril 2018 son 58e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Quelques 8160 civils ainsi que 3949 militaires et paramilitaires ont défilé sur le boulevard Général de Gaulle. Vous savez, la parade est une des meilleures indications de la discipline, de l'état moral, du niveau d'entraînement et de cohésion d'une troupe. Voilà qui rassure sur la capacité de nos forces de défense et de sécurité à faire face à toutes les menaces, mais aussi à participer aux actions de développement et d'éducation de la jeunesse. Contribution des forces de défense et de sécurité à la paix et à la stabilité internationale est le thème de cette année 2018. Ainsi, le président de la République, Macky Sall, a réaffirmé son engagement de doter à l'armée sénégalaise les moyens de défense adéquats. Nos forces contribuent grandement au rayonnement et au prestige de notre pays. Et je voudrais réaffirmer ici ma volonté de doter des forces armées sénégalaises, les forces de défense et de sécurité, de tous les moyens nécessaires aux missions qui leur sont assignées. Pour cette édition 2018, le défilé à pied a une particularité. Un détachement de l'armée, de la gendarmerie et de la police ont défilé avec des attributs de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, autorités pour lesquelles ils effectuent des missions.